J'ai vu une femme à Aurillac, je sais pas si vous avez suivi, elle s'est fait arrêter par la police parce qu'elle était torse nu, tu vois. Et ils l'ont emmenée au poste, ils lui ont mis une amende pour exhibition sexuelle. Exhibition sexuelle? Pour des nichons, putain, on en voit toute la journée des nichons, je veux dire, c'est rien, elle était pas en train de jouer de la mandoline avec sa chatte, quoi, je veux dire, c'est... Qu'est-ce que c'est que cette arrestation bidon, tu vois? Alors elle s'est justifiée, elle a dit, bah non, moi, voilà, j'avais chaud pendant le festival, j'ai enlevé mon t-shirt, j'ai vu d'autres hommes torse nu, donc je me suis permise. Évidemment, ils l'ont arrêté, elle, parce que, voilà, une sexualisation du corps de la femme, tu vois. Et moi, celui que j'ai pas compris dans cette affaire, c'était le keuf qui l'a arrêté. J'ai pas compris. Le mec, toute l'année, il se fait chier à se taper des drogués, des alcooliques, des relous, des machins. Pour une fois que t'as des nichons à mater, mon pote, putain, ouais. Régale-toi, je veux dire, installe-toi en terrasse avec ton demi. Ton pote GG était là, fait putain 10 sur 10, t'as vu le petit sang au poire, ça m'excite. Enfin, je veux dire, régale-toi, je veux dire, moi si demain sur mon lieu de travail, c'est-à-dire ici, vous décidiez, mesdames, de venir seins nus, mais qui suis-je pour vous juger, hein? D'ailleurs, si ce soir, allez, hein? Mais bon, malheureusement pour vous, mesdames, voilà, peu importe ce que vous portez, évidemment, hein, il y aura toujours un jugement d'un homme, hein, évidemment, que ce soit mini-jupe, crop-top, topless, abaya. Alors que si tu vois un mec en slip de bain place de la République, tu te dis, oh, un Italien qui s'est perdu, là, dis donc. C'est pour ça que je pense, mesdames, honnêtement, l'homme changera pas, donc j'ai trouvé une solution pour vous, changer de sexe. Voilà. Alors je te demande pas de te greffer une beute entre les cuisses, hein. C'est pas l'idée, non, mais sur la pièce d'identité. Hein, comme ça, si un keuf qui vient et qui t'arrête, il dit, madame, vous remettez votre t-shirt, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis une femme? Allez, sors ta carte contre Kev. Oh, nique ta mère. Ouais.